une romaine et une 4 fromages. Cette fois-ci, Nouri prépare des pizzas, pas à emporter, mais bien à déguster sur place. Je pense que les gens n'ont pas encore confiance ou ne sont pas encore... Voilà, avec le temps, je pense que ça devrait le faire. Ouvert depuis le 2 juin, comme les 7 autres restaurants à Souffle, au San Cabello, route de Brumath, on respecte les règles sanitaires. On a acheté du gel et puis là j'ai le spray pour toujours désinfecter. On laisse une table de libre pour avoir les 1 mètre qui quoi. En salle, Anne-Lise et sa petite-fille sont ravies de revenir dans leur pizzeria préférée, sans aucune appréhension. Non, j'ai un masque, je fais attention. Si on fait attention, normalement c'est bon. Toujours route de Brumath, dans cet établissement, on goûte aussi aux joies du service qui a manqué aux clients comme au personnel. C'est trop bien la reprise, mais bon, un petit peu délicat avec les masques. Ouais, mais on est bien content d'avoir repris, les clients sont contents, sont bien heureux, c'est le principal. Ça vous manquait le restaurant ? Tout à fait. Pourquoi ? Bah, l'ambiance, comme je vous disais, ça permet de couper un peu la journée de travail. Et puis voilà, on mangeait à la concession, là ça nous permet de sortir, donc c'est pas plus mal. À la Souffle, 70% des effectifs ont été mobilisés. Le dispositif sanitaire a contraint le restaurateur de supprimer 50% des places, mais la vente à emporter continue. On est très attentif, mais ça va être compliqué. On ne sait pas encore où on va, à savoir si on atteindra notre seuil de rentabilité ou pas. Pour l'instant, on démarre timidement, tranquillement. Au centre du village, la Croix d'Or a pu agrandir la terrasse, mais la pluie est aujourd'hui de la partie. Pas de quoi entamer l'enthousiasme des clients en fin de retour. C'était très long, traumatisant. Voir mes amis, boire un petit coup, super. Oui, je suis contente, très très. Et de sortir, qu'on peut sortir de nouveau. Quelques rues plus loin, à la Carpe, on sent la même émotion. La vie reprend au restaurant. Quand les gens sont revenus et qu'on a réouvert et qu'on a vu le monde arriver, ça a été une grande émotion. Encore mieux que lors de la reprise et de l'ouverture il y a 7 ans. Donc c'est vraiment du bonheur de retrouver tout le monde, vraiment. On est content, il y a du monde, tout se passe bien. On respecte les normes infligées, quoi, et puis voilà. Quoi. Autour d'une table, cette famille se retrouve pour la première fois depuis le déconfinement. La distanciation sociale reste présente à l'esprit de chacun. On essaie quand même de la respecter au minimum, on va dire. On fait en sorte de ne pas s'embrasser, les accolades, tout ça, c'est, pour l'instant, c'est pas encore fait. Merci, mais merci à vous, c'est nous. Restaurant ouvert rime avec gestes barrières. La situation sanitaire s'améliore, mais le virus circule toujours. Restez prudents.